Salut tout le monde, Sayer Saiba, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de Visage, le chapitre dédié à Dwayne, normalement, où on va essayer d'avoir la bonne fin. Alors je me suis un petit peu spoilé, justement, parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'il fallait faire pour éviter de rater quelque chose, parce que pour avoir la bonne fin, en général, il faut faire quelque chose de précis pour ne pas avoir la mauvaise fin. Mais en fait, on avait déjà eu la mauvaise fin, je crois que j'en ai parlé sur la dernière partie, puisqu'il suffisait juste de péter la cloison blanche qu'il y avait au sous-sol, d'y aller et de se tirer une balle dans la tête. Ça, c'est la mauvaise fin. Pour cela, il va falloir collecter des choses, je vous montrerai, c'est surtout lié aux cassettes vidéo. Voilà, j'en sais pas plus, hein. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais je sais que c'est lié aux cassettes vidéo. Alors, sans plus attendre, on va continuer. Et j'espère que ça va bien se passer, hein. Le dernier chapitre c'était sur Rakan, ça s'était assez bien passé, puisque c'était assez, comme je disais, couloir. Il y avait beaucoup beaucoup moins d'énigmes que sur le deuxième chapitre, vraiment celui de Dolores. C'était plus labyrinthique, si on veut, avec tous les miroirs, c'était quand même assez compliqué. Et là, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Tout ce qu'il faut faire, donc on se retrouve dans le salon, tout ce qu'il faut faire, c'est de résoudre toutes les cassettes vidéo. Si vous voulez, à chaque cassette vidéo, il y a quelque chose à faire. Ce qui nous montre à la télé, en fait, ce sont des indices, des choses à aller voir ou autre. Alors déjà, comme d'hab, je crois que je l'avais dit dans la partie d'avant, il me manque une cassette. J'en ai que 6 et il m'en manque une. Bon, j'irai voir sur le net si jamais je la trouve pas, c'est pas trop grave. On va quand même commencer par celle qu'on avait débutée au tout début, qui était la cassette Pride, normalement. Donc, on va la prendre et on va regarder de nouveau la vidéo parce que je me rappelle pas. Et on va essayer donc de résoudre cette énigme. Alors, hop, comme d'hab, il faut faire ça. Et on va regarder ça. Alors moi, ce que je pense déjà là, c'est que ça, on s'en fout un peu. C'est des souvenirs de Dwayne avec ses enfants, sans doute, qui s'amusaient dans un parc d'attractions. Là, par contre, c'est plus... Alors, ça, on connaît maintenant. C'est une trappe qu'il y a au sous-sol, avec le logo de... Je pense que c'est Dwayne, hein, c'est un D qu'on voit. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra passer par là. Donc là, il y a encore la cassette vidéo... d'avant, et puis là, là je sais pas, on est dans une salle avec un ordinateur, on fait du rasmote au sol, je sais pas, c'est peut-être la pièce qui va se trouver sous la trappe. Enfin bref, j'essaye de retenir au max les informations. Là, faut attendre un peu encore. Là, alors je sais pas si c'est la même salle, mais on voit qu'on passe derrière des murs là, ou des placards, je sais pas trop quoi, en observant cette salle avec l'ordinateur. C'est une salle, on dirait qu'on est un peu à l'asile quoi, c'est, on dirait l'hôpital un peu quand même, l'endroit, je sais pas trop. Et là ça boucle, donc hop, je vais arrêter ça, on va y aller direct. Je vais dire comme s'il n'y a pas des trucs en plus. On va l'arrêter. Mais vraiment, ouais, je me suis spoilé que, en fait, faut vraiment résoudre toutes ces cassettes vidéo. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de trop traîner dans la maison. Si on sait où ça se trouve. Alors, attends. Ouais, je suis con, c'est plutôt là-bas. On va plutôt passer par ici. Ce sera plus simple. Alors, attendez, juste un petit briquet dans la main, là. Histoire de. On va tout allumer également. Ça a cassé, là ? Ah d'accord, il y a l'ampoule qui a pété. Bon, c'est qu'on est dans la bonne direction alors. Est-ce qu'on peut allumer ça? Oui. Tiens ça. Alors, non, c'est pas ici, mais c'est plutôt là. Donc c'est ici qu'il y a... Ok, tout est allumé. C'est ici qu'il y a de la trappe. Hop, on allume partout. On va fermer ça, ça va pas nous gêner. Voilà. Ici, avec le D, donc j'appuie. Il y a un symbole étrange dessus, c'est verrouillé. Ah merde. Alors, utiliser le crochet. Vous pouvez pas l'utiliser ici. Donc, je vais aller chercher. Normalement, il y a tous les outils. De toute façon,
Ces chapitres-là sur les cassettes vidéo, c'était marqué qu'il fallait le faire après les trois autres chapitres. Sinon, c'est pas possible. Donc, j'imagine que c'est peut-être lié au matos qu'on récupère. Donc, je vais prendre le pied de biche. Ah, d'accord. Alors, hop. C'est bon, là? Ok. Un peu de mal à le récupérer. Ça va peut-être pouvoir faire levier et ouvrir cette trappe, quoi. Un symbole étrange, c'est verrouillé. Bah vas-y. Je peux pas. D'accord, moi je peux pas, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre sur la vidéo? J'ai rien vu de spécial. Vas-y, lâche. De toute façon, ça va se remettre. Ça va se remettre dans la pièce de stockage. Je sais pas trop quoi faire alors. Ah, putain, ça se trouve, faut se balader un peu. Bon, je vais me balader, essayer de voir s'il y a quelque chose, parce que là, je risque de tourner en rond. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte, quoi, que les autres. Donc on se retrouve quand je trouve quelque chose, quoi. Bon, ah, très bien, je suis allé voir une soluce parce que j'ai tourné en rond. Alors j'ai allumé toutes les lumières, j'ai même réparé des ampoules. Au moins là tout est éclairé là dans la maison, mais j'ai pas du tout trouvé où était la suite quoi. Et bah il y a un truc, on va y aller, mais ça se devine absolument pas quoi. Enfin, à moins d'inspecter vraiment chaque millimètre, ce truc je l'ai pas vu. Alors ça se trouve au-dessus là du garage, précisément ici. En fait, si on va là, on voit qu'on peut interagir avec ces caisses-là. Là. On voit qu'il y a marqué maintenant maintenir, prendre, déplacer. Donc là, je clique une fois, il se passe rien. Je maintiens, je peux pas le prendre. C'est très bizarre quand même. Ah putain, faut donner des grands coups de souris énormes. Ah ouais, d'accord. Oh, mais jamais je l'aurais trouvé ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette sensibilité? Oh putain. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Bon, je crois que c'est. On a bien trouvé. Donc ici, on peut passer en dessous, ouais, voilà. Et là se trouve le coffre Oméga, le coffre de Kratos, dont on a la clé depuis un moment, puisqu'on avait regardé cette cassette. Donc vous avez trouvé une étrange poignée. Ah, qui a le logo. Ok. C'est avec ça qu'on va pouvoir ouvrir la trappe. Bon voilà, c'est très con, j'ai commencé à regarder la soluce, mais franchement, c'était un petit peu tendu pour savoir où ça se trouve. Enfin, je sais pas, sur la cassette vidéo, ils ont jamais montré ces deux caisses là, cette étagère rouge, là, je sais pas trop ce que c'est, mais ah, c'est curieux quand même. Bon, enfin bon, j'espère que. Ah voilà, ça c'est pour aller donc à la vraie fin ou la bonne fin, il faut aller ici. J'espère que juste que bah, tout le reste va pas être aussi complexe. Tiens, je vais prendre cette ampoule là, je vois qu'elle est là. Hop. Si jamais s'il y a une autre ampoule qui pète, je pourrais m'en servir. Oh, ça, ok. Je vais peut-être lâcher un briquet au cas où, quoi que j'ai mes doxy, je vais lâcher un briquet. Si jamais en bas, il y a des trucs à ramasser. Alors. Qu'on l'a placé, bah évidemment, ça marche mieux. Putain. Putain. Chapeau à celui qui a trouvé, sans aide, qu'il fallait déplacer cette caisse rouge. Mais surtout qu'en plus, faut cliquer à gauche, enfin, faut cliquer sur la souris et faire des grands coups sur la gauche pour que le déplacer, quoi. C'est le seul truc qui est déjà. Qui demande de faire ça, quoi. Ah, je sais pas trop où on va là, on saute le tuyau. Ah bah ça y est, on est dans la salle. Ah bah c'est l'hôpital, ouais. Clairement. C'est quoi ce bruit? Ah merde. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Les différentes choses. Les stats, ok, pourquoi pas. Il reste James, donc là c'est quoi? L'équipe, la liste de l'équipe.
leur projet, tout ça, le statut. Je peux pas lire, apparemment, j'ai pas le bouton lire. Je sais pas si ça sert vraiment. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans là? Ça a pas l'air. Bon, avant de fouiller ça, je vais regarder un peu les alentours. Ce qu'il y a, ça, je peux pas ouvrir. Exploser. Est-ce qu'on peut utiliser les ordi? Non. Ça, on peut pas. Tableau. Tableau périodique. Ça commence à devenir flou, là, non? C'est en train de me gazer, le truc. Attends, je vais me barrer. Ah, je peux pas. Putain, merci. C'est du gaz, là, non? C'est en train de m'enfumer, le truc, là. Ah, tiens. Oui, d'accord, interagir, je peux monter dessus. Il faudrait que je puisse passer peut-être. Ah, c'est à moitié pété là, attends. Vous pouvez pas vous lever ici. Je peux interagir avec la lampe à des distances. Attends, laisse-moi voir, il y a quoi là ici? Là, c'est pareil. Ah merde, attends, je commence à tousser. Ah, je peux choper les tabourets. Cogner là dans la vitre, je peux pas le lancer, c'est vrai. Ça marche pas quoi. Si je me mets dessus. Ah, d'accord. Pas solide hein, la fenêtre. Bon, je suis passé, mais j'ai toujours le gaz qui m'enfume là. Ça s'est cassé. On va pas rester longtemps ici, je pense. Voilà, oh là, je vois plus rien. Ah. Ça s'ouvre. Ah bah très bien. Là, je suis prêt, là. Là, j'imagine... C'était pour choper ça, ouais, je vois rien d'autre. Putain, mais je vais crever, de toute façon, là. Je peux repasser par là? Ah merde, je peux pas. Ah si, d'accord, fallait pointer la chaise. Attends, c'est pour défoncer la porte, ça, non? Il me disait, pour vous servir de la hache pour trouver une sortie. Ouais, il veut pas, là. Je suis à deux mains, pourtant. Et ça fait quoi si j'allume le briquet? Est-ce que ça pète? Non, ça pète pas, ok. C'est pas ce genre de gaz. Ah tiens, un zippo. Hop. Ça s'est pris, mais alors je sais pas où aller là. Un truc qui se défonce, mais là je vais crever là. Je me suis pris trop tard. Qu'est-ce qui a pété là? Ah ça, on nous le montrait ça sur la vidéo. Non? Ah, il y avait le truc où on passait derrière les murs. Ça ressemble à cette vue là d'ailleurs. Hop là, quelque part, un truc qui... Un faux mur. Il y a des carreaux, là. Ah, putain. Ah oui, en plus, par terre, là, on voit que c'est griffé. C'était peut-être un indice. Je suis mort. Il vaudrait mieux d'abord trouver quelque chose pour éclairer. Bah, attends. Ça? Oh la vache, où est-ce qu'on va là? Alors là je serais pas bien en vrai. Hein. Là, j'aurais peur d'être coincé, enfin là c'est vraiment le côté claustro là que j'aime pas. Oh non non. Bon bah... On va continuer. Bon bah écoute, hein, ça s'est bien passé. Je suis pas mort. Par contre, ça va mener où tout ça quoi? Donc voilà ce qui se cachait sous la maison, donc une salle de laboratoire quoi. Et un tunnel énorme. On va se retrouver dehors là.
Ah bah non, on est dans le garage. À quel endroit? Alors c'est pas, je sais pas si c'était par rapport au chapitre d'avant. Et ça m'a servi à quoi tout ça là? Y a un truc là qui s'est mis. Bon, je vais peut-être suivre les pas. Hein. Peut-être retourner à la trappe, j'en sais rien. Alors ça y était pas, c'est pas, c'est sûr. Ah, c'est bouché maintenant. Non, c'est le mannequin. Interagir. Quoi? Non, je retourne. Bah, par où? Ah non, d'accord, il y a un truc. Ah bah voilà, le masque réfléchissant. Ouais, ok, bah c'est ça, si vous m'étiez spoilé en fait. Je peux vous le dire, là, on a vu quand même ce que c'était. C'est un morceau de masque et pour la vraie fin, il faut reconstituer un masque en récupérant tous les morceaux. Donc là, ça a été mis dans la salle de progression, en haut. Et pour moi, ça clôture donc la cassette Pride. On a réussi à le finir. Est-ce que je vais aller faire un petit tour dans la salle de progression pour voir? C'est à côté de la chambre de Lucie. Hein. Non. Non, c'est au bout. Juste pour voir où ça se place, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, c'est des chaussures. Ah non, pas ici. C'est quand même mieux, hein, quand tout est éclairé. Plus sympa, tiens, j'ai oublié d'éclairer ça, là. Hop. Alors, c'est sûr que là, c'est pas très économe, hein, ce que je fais. Mais bon, on s'en fout, c'est dans le jeu. Et lui, il marche pas, lui? Merde, attends, où est l'intérêt? Là. Ah, marche pas bien lui. Faut le réparer. Ah, je peux pas. Cette arnaque. Bon, c'est pas trop grave. Donc, attends, je vais arrêter de me balader avec ça. Ici, où est-ce que ça s'est mis? Déjà, on voit l'œil du chapitre précédent. Donc ça a l'air de se placer ici, là, le masque. Ça marche. Allez, pas perdre trop de temps. On va se retrouver dans le salon en bas. Pour faire donc le... La cassette suivante. Alors je sais pas, je vais peut-être faire dans l'ordre cette fois. Voilà. Alors je remets la cassette. Ah non merde, c'est vrai que je l'ai laissé dans le lecteur. Hop, puis on va faire la première, celle qui est au fond. Affliction. Top, arrête, sort. Et voyons ça. Ça vend toujours ces gosses. Pour moi, c'est sa vie hein, qu'on voit. Conduit ça? Putain, mais où? Où est-ce qu'il y a un conduit comme ça? Sorte de coffre-fort, mais c'est pas celui qui est en haut. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je vois comment on ouvre ce coffre-fort. On remarque que c'est peut-être lié avec une cassette. C'était quoi ça? Putain, ça me dit rien tout ça. Ça, je vois pas ce que c'est ça. Bon, en tout cas, ça tourne en boucle. Putain, je sais pas. J'ai reconnu aucune scène. Merde. Oh non.
Oh putain, quel con, je voulais pas cliquer. Bon, bah. Oh putain, j'ai aucune idée de... Où est-ce que je vais aller chercher? Ah, j'ai oublié en haut là. J'ai oublié d'allumer là. C'est pas grave. Attends, je vais juste revoir la première. Juste la première scène, quoi, ça me paraît fou, quoi. Putain, c'est long. C'est des branches et... Vous croyez qu'il y a les miroirs encore? Parce qu'on dirait vraiment l'extérieur de Dolores là quand on est dans le parc. Mais les miroirs, ils sont plus là quoi. Attends, moi que je peux aller là. Alors ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Ça m'étonnerait qu'il y ait encore. Normalement, il y en avait là, là. Avait derrière la porte, là. Mais on voit pas. D'ailleurs, petit bug. Si je trouve un angle là, il y a un petit bug. Peux interagir avec ça. Sais pas ce que c'est. Oh, il y a un truc qui est apparu quelque part. Une boîte vite. Comment je peux aller à l'extérieur? Je veux bien si. J'allais dire le grenier, mais. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher. Et puis, je vous mets un endroit. J'espère y arriver sans Soyuz, ça serait bien, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je parcours un peu tout encore. À moins que ce soit ça, là. Enfin, ça m'étonnerait. Il marche, lui? Ah, bah oui, il marche. On voit toujours la vidéo. Marrant, ça. Je sais pas, je vais chercher, puis donc je vous mets un moment, le moment où je trouve. Bon, très bien, encore une fois, je vais voir la soluce parce que j'ai pas trouvé. Et je suis un peu deg parce qu'en fait, j'avais une bonne piste, j'avais trouvé quelque chose, mais il n'y avait aucune interaction, donc au final, je me disais que c'était pas là, quoi. Et finalement, si. Donc j'avais bien intuité, si on peut dire, le coup du miroir. En fait, fallait aller dans la salle du miroir, donc ici. Lié à Dolores. Et en fait, alors c'est assez rigolo, mais regardez ici, on voit le plancher qui est plus clair ici. Et ça, j'avais vu que le parquet était plus clair, sauf que si je lâche le pied de biche, ah bah là j'ai l'interaction. Non mais attends. Alors ça, et je vous jure, tout à l'heure, j'avais absolument aucune interaction. Hein. Ah mais je pointais peut-être que là. Là, faut pointer sur le bout. Oh, faut pointer là pour que ça marche. Merde. Oh, je suis dégoûté, putain. J'aurais pu l'avoir alors. Parce que ici, bah, faut utiliser le pied de biche. Pour se créer une ouverture. Mais. Je l'avais vu ce plancher pâle, quoi. Mais vu que je voyais pas du tout d'interaction, je me suis dit non, bah, c'est rien, quoi. Bref, tant pis, c'est pas grave. On avance. Je sais pas, quelle idée de foutre une interaction sur un tout petit bout de planche alors que alors que la taille est énorme quoi. Ouais, curieux choix quand même. Un peu deg, mais bon, c'est pas grave, allez. S'en fout de toute façon, hein, que j'utilise ou pas. Ça revient au même. Alors encore une galerie. Ah bah lève là le méga coffre-fort. C'est vachement sécurisé hein, le truc tu l'ouvres direct quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce lieu là? Ah, c'est vrai qu'un truc timé encore? Non, c'est bon. Putain, on avait ça dans le manoir, à côté du manoir. Non, mais là ça devient fantastique là. Enfin, ça allait depuis le début en même temps, mais bon. Enfin, le manoir, c'est même pas un manoir, c'est une maison. Bon, allez, je sais pas trop où faut aller, on va bien trouver un truc à actionner. Mais bon, là, on avait donc besoin du pied de biche, encore une fois.
Quoique non, tout à l'heure on n'a pas besoin de pied de biche, c'était juste fallait avoir l'objet. Non, non, c'est la première fois qu'on utilise un objet d'un chapitre. Ah, petit bouton rouge. Ok, c'est un labyrinthe. Alors, j'espère qu'il fallait appuyer qu'une fois, on va voir. Là, ça a dû me débloquer. Passage là, on peut pas courir quand même, c'est... Enfin, on marche un peu plus vite avec Shift, mais... Ah, c'est pas de la course non plus. Sinon, c'est comme ça. C'est vrai que pendant tout le jeu, j'étais sur le bouton Shift. Hein. Je suis pas patient, quoi. Ok, donc là, c'est libre. Je sais pas si les énigmes sont longues après. Là, on a trouvé l'entrée, l'accès. Est-ce que après, celui d'avant, il n'était pas si long que ça au final? Putain, il n'y a plus de son du tout. Ah ouais, il n'y a plus de musique d'ambiance. Ça se vire ça ou... Vous pouvez pas l'utiliser ici, quoi donc? Attends, on va peut-être lâcher ce truc là. Ça. Non, je sais pas, je pense qu'il voulait prendre les bidons. Bon, on va monter. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà. S'il y avait besoin du pied de biche, je suis softlock. Ouais, non, on s'en fout, allez, on continue. Bah dis donc, c'est grand cet endroit là. Je sais pas, on va aller là, on verra bien. Attends, on retourne encore à l'hôpital là. Ah, il y a un fast-food. Quoi, c'est la cantine de l'hôpital là, et ils ont un McDo. Attends, là je suis coincé là, je crois. Il y a rien à faire ici. Ah, Lewis Taylor. Ok, bah, j'aurais pu passer à côté de cette clé. Hein. Passe putain! Et je fais quoi là? Il marche vite hein. Bon allez hop. Esquive droite. C'est bon. Ok super. Super. Pas chopé encore, je sais pas comment il fait d'ailleurs. Faut aller où? C'est pas clair! Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Bon, et ben on se retrouve là parce que le temps que ça charge, tout ça, ça met 15 ans. Ok, donc là je vais prendre la clé. J'ai vu un truc sympa là. Hop, on prend. Donc là, on retourne sur la table. On peut interagir là. Il n'y a aucune raison d'y aller. Bah écoute, je t'en trouve une raison là. Dépêche-toi quoi. Bon, ok, faut le provoque l'autre. Et il va réussir à passer là-dedans, putain, mais. Quel cauchemar. Ok, c'est bon. C'est trigger. Oui, c'est trigger. Et hop. Ah vache, putain, il passe quoi. Ah, c'est un épisode pour moi ça. Hein. Enfin, ça me fait rien, à vrai dire quoi. Mais si j'étais à sa place, je serais pas bien.
puis je sais pas, il rate facilement. Ok, bon. J'espère qu'il n'y a pas trop de labyrinthe. Oh putain, il avait jeté le briquet là comme ça, en le récupérant. C'était classe. J'ai peut-être mal vu. D'où je viens, bon bref, attends, je vais aller à cette porte au fond. Donc on a un nouveau type d'ennemi, hein, on a vu là, c'était un bonhomme. On remarque si on l'avait peut-être déjà vu. Peut-être quelque chose. Ok, c'est une carte qui veut et moi j'ai une clé quoi, c'est génial. Ah. Fin du son d'ambiance. Est-ce que là je reviens, est-ce que c'est le McDo là? Je me repère pas quoi, mais bon. Tant que c'est un nouvel endroit. Alors là, je suis comme un bourrin, je me dis qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Oh que dalle. Oh non, la flemme. Alors comme sur les bancs. Ah, là peut-être quand même. C'est verrouillé, bah écoute. C'est moyen de voir. Non, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, on va essayer. Yes, donc ça s'ouvre bien. Lewis Taylor. C'est peut-être lui hein, qui essaie de nous pourchasser là. Water treatment. Quoi, c'est un jardinier? Il est là pour arroser les plantes? Je sais pas. Bref. Bah c'est sa carte en même temps, là je vais pouvoir aller ouvrir. Là je sens qu'il va apparaître là. Ah merde. Ah puis là je peux pas l'arrêter, ok. Donc le briquet est mort. C'est bon, ils l'ont pas fait popper là. Et bon, c'est une carte d'accès donc ça va me permettre d'ouvrir cette porte là. Putain, c'est à l'autre bout. Évidemment, je me suis gouré de sens. Ok. Allez. C'est quoi ce couloir immense là? J'ai coupé le sifflet à la musique là. Oula, je suis sur un tuyau. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore là? C'est l'arbre de la vie ça? Enfin, il est un peu mort l'arbre. Oh, c'est le puits de Sadako. Attends, mais... Je peux rien faire. Je peux aller dans l'eau, là? Ah oui, je peux... Je peux marcher sur la flotte. Ah, ça bouge tout seul. Ah, mais c'est le truc qu'on a vu sur la vidéo. Les racines qui sont en fait des tuyaux et une pomme. C'est ce plan là qu'on voyait.
Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu indiquer là. Ah, bref. Oh putain, il est là lui. Ah, le Gollum nous a embarqué. Alors pour l'instant, je vois pas trop des liens avec Dwayne. Enfin, où j'ai du mal à décrypter le truc. J'ai un petit peu de mal. Ah, et là, on est de retour à la baraque. Oh, on sort du cumulus. Qui est, bon, bah, explosé maintenant. Ah, et puis donc, on le voit là. Il y a un morceau du masque. Donc on a fini la deuxième cassette, hein. Il en reste 5. Putain, la vidéo va être longue, hein, je sens. Alors ce que je vais faire... Alors déjà je vais me prendre ça. Ah mais j'en ai déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure jusqu'à la salle où on va visionner la prochaine cassette, hein. On va faire comme ça, sinon ça, on va jamais en finir, quoi. Allez, c'est parti donc. On va faire maintenant prison et on va voir ce que ça donne. Hop. Toujours ce manège là. Ok, donc il y aura un mur à abattre, là on va prendre la masse. C'est plutôt au sous-sol, ça, ce mur. Encore des galeries. Qu'est-ce que c'est que cette baraque, là? Ah, ça boucle déjà, là? Ah ouais. Ok, va falloir trouver donc ce mur, là. Et donc prendre la masse et essayer de trouver un mur en briques. Bon, qui doit vraiment se trouver, je pense. Non, c'est bon. Qui doit se trouver dans le sous-sol. Donc, bah écoutez, on va faire comme ça. Je vais chercher tout le matériel et puis chercher un peu de mon côté. Et je vous reprends quand j'aurai trouvé, quoi. Putain, mais il fait chier, il éteint tout là. Est-ce que c'est par là, là? Ça va être par là, non? Ça c'est ici, ok. Ah, là, c'est maintenant placé. Comment ça? Et pourquoi il regarde ça, lui? Merde. Attends, je vais chercher ma masse. Hein? Attends, je suis où là? Ah, d'accord, j'ai pas de retour arrière. Ah non, mais d'accord, j'ai trouvé l'emplacement. Attends, j'ai pas pigé. Ça m'a fait lâcher la masse, donc j'en avais pas besoin. Je vais là où ça fait du bruit. Ah oui, voilà, c'est là les murs de briques. Non, mais là, on est à un endroit qu'on connaît pas. Hein. Sauf que là, j'ai pas de... Bah, ils m'ont retiré la masse, c'est con. Putain, il y a Hector Salamanca qui m'appelle. Où es-tu? C'est que c'est délire. Ah bah tiens, la masse elle est là. Là c'est... Oh putain. On peut allumer. Oh putain. Pas cool. Je peux toujours pas allumer. Oh bah je suis mort.
quoi? Ça va pas tuer? Attends, c'est quoi ce plan là? Comment je vais faire? Bon, on se retrouve là parce que, comme d'hab, ça va mettre 15 ans. Et on va essayer de faire quelque chose. Bon, je sais pas, je vais aller en face. Une sorte de lueur là. Hop, on va aller ici. Merde, exact. Oh, mais qu'est-ce que je dois péter là? Non, mais faut que je pète un mur, mais. Lequel? Non, mais là, je vais me faire choper. Là. Je sais pas, hein, je vais au pif. Il y a un mur là. Allez hop. Mais si ça a cédé ça. Yes. Je sais pas, c'est un mur au pif, hein. Je viens de péter. Ça se pète pas, ça, apparemment. Oh putain. Va falloir que j'essaye chaque mur pour aller trouver le bon, c'est ça? Oh la vache. Et ben on réessaye. Ouais, ça cède. Mais franchement, j'y vais au pif, quoi. Lâche ça, s'il te plaît. Non, pas la masse. Putain, mais la maniabilité aussi. Bon, en tout cas, ça a pas l'air d'être là non plus. Eh ben, je vais faire toutes les possibilités sauf la bonne. Parce que j'ai peur que ça soit l'endroit où il apparaît, quoi. Où il faut aller, quoi. Marc, j'entends Hector, là. Mais comment tu veux que je l'esquive, quoi? C'est impossible. C'est quoi ce bruit? Il vient là? Bah, il est bloqué? Attends, c'est tout sauf clair. C'est là que ça a dingué là. Allez! Il est juste sous mou aussi là pour taper. Mais non, mais je l'ai déjà fait ça, putain. Vas-y, passe. Il court pas, mon gars, c'est ouf. Hein? Putain, j'ai tout pété. Il fait ce bruit, j'ai l'impression qu'il se barre en fait. Ah ouais, là, je suis pas bien là, niveau santé. Je peux rien allumer, je peux rien faire. Putain, au secours. Au fond, là, on peut pas là. Je vois que les briques sont à moitié sorties. Ça se trouve, c'était que ici quoi. Non? Allez, fais un effort. Bah non, bah ouais, mais je suis mort là. Passage de merde, allez, on se retrouve là. Allez, c'est parti. Oh putain, à chaque fois. Lâche, merci. Je sais pas s'il y a un mur là, on voit que dalle. Ça, c'est abusé qu'on voit que dalle quand même. C'est normal que je puisse pas y aller là. D'accord, moi je peux pas. Donc là va falloir que je retourne là. J'ai l'impression que à force de péter les murs, il y a le mur de l'exit là qui cède aussi. Ça arc-en-ciel, sourire, tout ça, c'est quoi ces codes? C'est bizarre, il réapparaît plus l'autre. Ah, tant mieux. Ah oui, là c'est plus défoncé. Faut se faire tous les murs quoi. Ouais, mais je vais encore me faire avoir là parce que je le vois pas quoi. Ah, vas-y, dépêche, il est derrière. Allez, un effort à cette maniabilité.
Mais il vient plus. Enfin. Bon, je vais en face. Face toute. Allez. Dépêche. T'es lent. T'es extrêmement lent. Là, je viens de péter les quatre murs. Putain, mais il est plus là. C'est quoi ce délire? C'est bon? Yes! Wouah, quel passage de merde. Par contre, j'ai pas compris pourquoi l'autre il me poursuivait plus. Tant pis si c'est un bug. Au moins, elle a passé ce passage. Ouh. Ah, quelle horreur, quoi. Putain, on atterrit là. Très bien, bah, on a fini cette cassette, on a eu ce morceau de masque. On se retrouve là-haut. Bon, on avance peu à peu, donc prison, ensuite Pride, on l'a fait. On passe à l'indifférence. Qu'est-ce que ça donne, ça? Une vidéo à la plage. Porte emmurée avec des chaînes, ça me dit quelque chose, ça. Sauf que c'était dans le chapitre de Lucie, je crois. J'ai des portes condamnées ou peut-être celui de plutôt Dolores. Des portraits, c'était des tableaux, ça, mais vide. Une salle avec un escalier en colimaçon, ça me dit rien, ça. Ah, la buanderie, ça, non? Dans le placard, dans la chambre. Si c'est une chambre. Dans le débarras en bas. Waouh. Il y a des trucs un peu partout là. Attends, il y avait dans la chambre. Putain, pourquoi on voit rien? Ah merde, il y a... Il y a le truc de... Pour aller au grenier. Est-ce que c'est là? Bon, déjà on va mettre ça. C'est peut-être pas ce placard là, peut-être chez la fille. Que dalle ici. Ah, une BD. Ok. Maître des voisins, j'ai eu. C'est pas pour ça quand même. C'est pas récupérer toutes les planches. Non mais là ça ressemble pas à ce que je voyais. Oh, putain, j'ai pas retenu. Ah, peut-être là. Ça. C'est trouvé un cadre étrange. D'accord, il va falloir trouver des cadres. Comme on nous a indiqué. Putain, j'ai pas retenu, il y avait la buanderie. Qui se trouve où déjà? Je crois que c'est par là, non? La buanderie. Est-ce que c'est là? Ah, c'est pas cette salle forcément. J'avais vu un truc au plafond là, il mettait. Alors, c'est peut-être pas la buanderie. Hein? Attends. Ah, peut-être à l'intérieur. Ça doit pas être ici. Oh merde, mais j'ai pas retenu les endroits. Si, il y avait un endroit où il y avait un téléphone là, un truc. Je pense que c'est en bas ça. Ou là. Non, c'est pas là. Ah, va falloir que je remate la cassette. Que je les fasse un par un quoi. Je fais des screenshots.
Parce que je me fais des screenshots. Merde, par contre j'ai fait le con, faut le remettre. Hop. Allez, on se remate ça un coup, puis je vous fais du montage. Ah putain, ouais, bon, je le fais maintenant. Bon, très bien, j'ai mis du temps. J'ai rematé plusieurs fois la cassette. Et j'ai fait des screenshots de chaque endroit où il pourrait y avoir potentiellement un tableau. Alors, il y a des endroits que j'ai reconnus, comme par exemple, alors c'était pas la buanderie, mais c'est plutôt dans le sous-sol, au niveau de... comment ça s'appelle ? Là où il y a un congélateur, en fait. C'est normal que ce soit noir et blanc. Oh, c'est mieux, là. Ok. Alors, normalement, c'est par là. Je vais aller voir ce tableau. Je vous mettrai peut-être dans le coin là, le screenshot que j'ai fait, histoire que vous voyez. Normalement, c'est là, là, d'après l'image, et ça serait en hauteur. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, celui-là, c'est fait. La chambre, je l'ai faite. Il y en a un avec une plante et une sorte de téléphone à côté. Je sais plus trop où c'est, ça. Bon, je vais faire une petite accélération jusqu'à ce que je trouve, ou une coupure, tout dépend du temps que je mets. Ah, ça ressemble à ici, non? Si je me mets comme ça, là. Ouais, ça y ressemble. Ah putain, c'est celui-là. Ok. Ok, celui-là, on l'a trouvé, donc, hop, celui-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un avec une chaise, là. Une chaise et des bougies. Je ferais bien ça, la salle de progression. Oh non, elle va encore parler 15 ans, là. Bon, j'écoute, mais on va voir. Ouais. Complètement taré, celle-là. Ah, c'est sympa d'avoir une voisine comme ça. Bon, ok, bon, on est parti pour une heure de conversation. Merci. Alors, est-ce que c'est là, là? La chaise a l'air d'y ressembler, là. Donc, si on se met comme ça, là. Voilà, on se rapproche. Mais le tableau est là. Ok, donc c'était bien la salle de progression. Ah, c'est cool. Mais voir la gueule là un peu. Ouais, sympa. Qu'est-ce qui nous manque là? Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Alors il y a une image. Je vais mettre celle-là. On dirait un débarras avec un mur de briques. Ça c'est tout en bas. Alors c'est pas du tout optimisé mon chemin. Mais bon, je vais le faire en accéléré jusqu'en bas et puis on va voir quoi. Ah, est-ce que ça serait par là? Parce qu'il faut des étagères un peu partout, je pense. J'ai l'impression que ce soit ici. C'est pas ici. Là, il n'y a pas de mur en brique, là. Ouais, donc c'est pas ici non plus. Là, peut-être. Petit mur en brique là, mais j'ai pas l'impression que ce soit là. Là, il y a des murs en brique. Aussi. Ah, ça pourrait être dans ce bordel là, non? Ah ouais, là, il y en a partout là, des... C'est pas ce miroir. Attends, fais voir.
Ça a l'air d'être... Attends. Ah, c'est ça! Ah putain, j'ai... C'est ça, attends, est-ce que c'est bien ce... Ouais, c'est... Il ressemble. Je pense que c'était... C'était ici. Bon bah super. Alors, il y en a un autre. Je comprends pas du tout l'image. On dirait qu'il y a de la neige. Et comme une salle allumée là-bas avec un espèce de tapis. Là, j'ai aucune idée là pour celui-là. Bon, là, je vais peut-être faire une petite coupure. Essayer de trouver, mais... Bon, c'est au sous-sol, hein, de toute façon. Il faut que je trouve une bâche au sol, quoi. Ah. Ah, attends, ça pourrait être ça, là. Ah, mais c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une caisse, là? Okay, là, il y a une étagère. Attends, là, on voit rien, ici. Une sorte d'étagère, là. Ouais, là, ici. Donc c'est quoi? C'est en haut, là? Non, mais ça pointe là. Peut-être par là. Ok, tiens, encore une ampoule. C'est ça? Oh putain! Ah d'accord, c'était collé contre le carton. J'en ai combien là? 3, 6. On va le faire là, les 6. Bah oui, j'ai 6 images, c'est bon là, je les ai toutes. Alors faut que je trouve l'endroit maintenant pour les placer. C'est pas là? Ah, je me rappelle pas. Je vais retourner à la vidéo pour voir la localisation où se trouve l'endroit où on voit tous les cadres. Ça va peut-être me parler, donc on se retrouve à cet endroit. Ok, je suis en haut, donc là j'ai vu l'image. Je vais vous le mettre dans un coin. J'ai fait un screenshot. Comme on peut voir, c'est un mur rayé avec des lampes sur les côtés et on voit qu'il y a. Alors je vois 5 cadres par contre sur l'image. Très bizarre. Il va falloir que je trouve, mais le mur en bas il était rayé aussi. Il était pas si mal que ça quoi. Donc bon, ah putain, lui aussi. Attends, lui aussi il a l'air rayé. Dirait que quelque chose. Ah mais c'est là! Attends. Bon, voyons. Ah ça se place tout seul, ouais, super, bah voilà, bah, j'ai trouvé. Ah mais c'est bizarre là sur l'image, là sur le screenshot, on voit pas qu'il y a deux cadres ici quoi. On a l'impression que c'est qu'un seul cadre. C'est bizarrement fait quoi. Putain, et puis en faisant ça, on crée une porte. Logique. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Des canettes de bière. Ah oh, putain la vache. Ok, allons-y. Ah. Attends. C'est Matrix. Petite énigme là avant. On va faire un mélange complet. Hein. Allez, on va prendre la rouge direct. C'est la seule qui est ronde. Ah bah, je crois qu'il va falloir toutes les bouffer. C'est bien ce mélange là. On sait pas ce qu'on prend. Je pense à mal se finir. Enfin, on va pas crever quoi, mais. On va pas marcher droit, je pense. J'arrive pas à voir le curseur. Voilà.
s'arrête jamais. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il perturbe quoi? Ok. Il se passe rien là? Bon, il se passe rien. Ça, je peux pas. Toutes les gélules. Ok, en tout cas, ça fait sauter les chaînes. Un mur. Ah, c'est très curieux quand même. Agonie, haine, coupable, souffrance. Ok. C'est rapproché. J'ai du mal à voir le message quand même, hein, par rapport à Dwayne. Est-ce qu'il avait toutes ces maladies là, enfin toutes ces, enfin ces angoisses, tout ça? Je sais pas. Pourquoi on voit que des une sorte d'êtres vivants chelous, mais ça on les a vus depuis un moment quoi. Qu'est-ce qu'ils ont branlé, quoi. Ah, c'est le chapitre que je comprends le moins, là, pour l'instant. Ça doit être très subtil. Bon, après, j'irai voir sur les forums, hein, si vraiment il y a une explication. Je pense que oui, et puis un truc que j'ai pas vu, quoi. Mais là, je peux pas vous dire, hein. Ils se sont bien fait chier à faire des environnements vraiment différents là. C'est pareil, hop, on va aller dans le bateau, mais on est en enfer là. C'est pas balader sur le Styx. Oui. Ça se fait tout seul? Attends, comment ça marche? Ah non, non, c'est moi qui dirige, mais. Ça a l'air d'être infâme. Bah, vas-y. Non mais là t'es en train de reculer quoi, c'est pas du tout... Oh là là, c'est quoi cette maniabilité? Faut faire des diagonales opposées. Mais en faisant des demi-cercles, je comprends absolument pas là le maniement là. Oh, c'est infâme. Va dans l'autre sens là, depuis tout à l'heure j'essaye d'aller à gauche. Ah ouais, il faut faire des diagonales mais à moitié opposées. Enfin c'est très bizarre. Ah, je comprends absolument pas la maniabilité du bateau là. Attends, si. En fait non, là je laisse appuyer diagonale bas gauche et là il fait des mouvements. Mais si je fais haut gauche, ça marche pas. Haut droite, ah, il va aller là. Faut que je fasse bas droite alors. Je laisse appuyer sur bas droite à fond, mais là, il est bloqué dans une direction. Je comprends que dalle à la maniabilité. Ah ouais, non, c'est. Faut pas qu'ils fassent de jeu de bateau là, ceux qui ont fait ce jeu là. Voilà. Alors là, si je fais bas gauche. Non, alors, haut droite. Mais pourquoi je peux pas faire haut gauche quoi? Si je fais bas droite, je continue à tourner à l'infini. Là, je fais bas, il avance, il recule. Si je fais droite, il va tout le temps à droite. Si je fais gauche, il se passe rien. Attends, oh non. Je crois que j'ai trouvé. Ah, vous allez vous marrer. En fait, attends. Non, mais en fait, c'est pas clair. Oh, ils ont inversé. Oh, ils se sont plantés. Merde. C'est énorme. Alors, pour vous dire, d'habitude, je joue avec Q, S, D, Z. Les touches classiques dans les FPS.
Jusque-là, ça a toujours été ça, hein, pour avancer ou quoi que ce soit. Là, pour le bateau, ils ont oublié de mettre en AZERTY. C'est en QWERTY, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse W pour avancer et A pour aller vers la gauche et SD pour les autres. Voilà, c'est pour ça en fait que j'y arrivais pas du tout, c'est qu'ils ont mis en QWERTY d'un coup quand on est sur bateau. Et je regarde ma barre de tâches, hein, je suis bien en AZERTY, hein, j'ai pas eu de changement. Attends, je peux remettre ma souris. Mais pour cette phase, ils sont mis en QWERTY. Mais comment tu veux savoir, quoi? Tu m'étonnes que je pigeais que dalle, quoi. C'est énorme ce qui vient de se passer. J'ai jamais eu ça, hein, sur un jeu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, putain, il shoot. Mais ça serait nous, en fait, là, ces personnages? Est-ce que ça veut dire ça, alors? Est-ce qu'on serait... Enfin, c'est nous représentés... On est arrivé là ou qu'est-ce que tu fais? Je suis bloqué ou c'est que tu veux plus... Oh là là, est-ce que c'est bancal? Mon bateau est... Ne faites jamais de jeu de bateau, hein, ce qu'on fait ce jeu là. Ah merci. Yes. Et là, est-ce que je suis... Et là, ça marche. Là, je suis en AZERTY. Aucun sens. Putain, mais... Ah, faudrait que j'aille voir sur le forum, là, sur le hub de la communauté. S'il y en a qui ont soulevé ce problème, quoi. C'est juste incroyable, là, ce qui s'est passé. Oh, la vache. J'espère que c'est la seule phase en bateau. Hein. Prochain truc, ça va être... je sais pas, ça va être une voiture. Et là... Ils vont te mettre les touches inversées. Enfin bref, donc on est à un endroit chelou. Hein. J'explique pas. Hein. Je sais pas où on est. C'est très bizarre. Ah bah tiens, bah c'est un phare en fait. Oui, c'est un phare. Attends, j'ai une action interagir. Oh, Dwayne, welcome to your domain. I was waiting for you impatiently. What? You tell me this isn't your domain? Nonsense! It's the fruit of your hard labor. Can't you see how everyone enjoys their time here? It's all thanks to you they have this newfound home. How fulfilled they all seem. Some of them might look a little lost, I concur. But what of it? They have a place to be for all of eternity. How delightful for them, courtesy of Dwayne Anderson. The dead will whisper tales of your achievements, and you will be remembered forever. Now, up you go, chap. Go have a look at your masterpiece. Bon, allez voir ça. Ça va être long. Et je sais pas combien d'heures, combien. Bon, je verrai ça plus tard. Combien de temps je capture là, mais. Ça risque d'être une vidéo très longue encore. Même malgré le montage. Bon, ça va, on avance assez vite quand même là. On ne voit pas l'extérieur. Allez. Si c'est nous, là, on se voit bien, là. Pour l'instant, je sais pas quoi vous dire, hein. C'est... Ok, il s'est marié quoi, enfin je sais pas ce qu'ils veulent nous montrer là. Ah, par contre ça...
Donc c'était un gars qui était très stressé alors. De toute façon, il devait prendre vachement de médicaments. Hein. On nous a montré plein de gélules là. C'est-à-dire quand même qu'il avait. Il était pas très stable, mais bon. Enfin. En même temps, il a buté toute sa famille. Please talk to me. I love you, Dwayne. I want to help you. First the alcohol and now this? Who prescribed you this and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Dwayne? Should we be worried? Because we are. Recently, you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Dwayne? I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. Do you want a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around, you delusional fuck! Want me to stab you with 7 knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace! People despise you, I despise you, your children despise you! You're horrifying! You should die! You know what, forget it, I don't want to help you die. Do it yourself. I won't help you into release. Kill yourself, by yourself, alone! And go to hell where you belong! J'avais pas capté ouais, les bières en fait qu'il était alcoolique, j'ai pas pensé, j'ai pas fait le rapprochement quoi. Ah bah c'est bon, on a fini. Donc là je sais pas du tout si on a été vraiment rejeté par la famille, parce que là c'était assez violent quand même là, les messages. Mais en tout cas on était alcoolique et également accro à des médicaments finalement. Et j'étais en train de penser également, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais le nom des cassettes c'est peut-être aussi ce qu'on a vécu. Et je pensais à la prison par exemple, est-ce qu'on a été en prison? Je sais pas, mais peut-être possible. Ah, j'essaye de comprendre, hein. Peut-être que je suis pas assez intelligent pour comprendre du premier coup, mais c'est pas évident quoi. Bon, en tout cas on a fini cette cassette. Donc c'est, ça c'est pas mal, il nous en reste 3, dont une qu'il faut que je trouve. Donc voilà, maintenant c'est la négligence. C'est parti pour la suite. Ça c'est en bas ça. Avec le gramophone. Ça y ressemble en tout cas. Exactement pareil, mais c'est quand même la même config. C'est tout? Putain, ça dure longtemps là le. Ah non. Je connaissais pas cet endroit là. Là, ils sont en train de danser là sur de la musique, je sais pas trop. Super, un couloir avec des étagères. Ah, je crois que ça boucle là. Il a l'air géant lui par rapport aux autres, ça fait bizarre. Ouais, non, ah, ils sont éloignés. Ah mais c'est des enfants, c'est pour ça. Ça c'est bizarre. Ouais non mais c'est clairement ça, donc il y a quelque chose à voir en bas. On va y aller de ce pas. Il y a clairement quelque chose... à l'endroit où il y a le gramophone.
Hop. Donc c'est là. Alors. Il y a de spécial là. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est un disque. D'accord. Bah écoute, sans plus tarder, hein. Merci. Ça se lance tout seul ou... Ah voilà, il faut juste bien viser. Oh, mais c'est un supermarché. C'est quoi ce délire? Pourquoi un supermarché? Alors là, quel est le lien avec Dwayne? Il va faire les courses? En avant ou en arrière? Alors, faut que je chope les bières. Attends, c'est où ça? Ça va être au fond. Ah, ça, c'est des bières, ça. Il n'y a que de ça. Attends, c'est pas se contenter de ça, là. Ah, toujours de la place. Et ouais. Toujours de la place. Ah non, je peux plus. J'aurais peut-être pas dû les prendre pour voir ce que ça fait, mais je pense que. Peut-être qu'on va à l'infini là, comme c'est là. Enfin là, ça a l'air d'être le cas aussi. Chargé. Attends, je comprends pas. Non mais attends, c'est infini là. Je peux pas emporter dans les mains. Attends, j'ai pas d'inventaire. Ah, là c'est... Ah d'accord, non, fallait juste tout le temps avancer quoi. Enfin, qu'il finisse son speech, l'autre, même s'il se répétait. Curieux. Très bien. On va avancer un peu. Ah, on est dans une salle. Ah, c'est la même salle que là où il y a les vidéos, mais boire. Mais un peu arrangé autrement. Ça va être dans le passé, quoi. Bon, je pense que faut se torcher, quoi. All right, Sarah, it's time for bed now. Daddy, I want a story. I think it would be great if you told her a bedtime story, Twain. Been a while. Daddy? Are you just going to ignore her? You're always ignoring her. You're fucking là. Beers. You don't talk, you don't sleep in the bedroom, you don't get out at all, you just don't care, do you? Oh, why don't you just leave? Talk to me. You used to be so good to us.
La canette de l'infini, quand même. Putain, mais elle se finit jamais, cette canette, quoi. Je peux pas boire. Ah, on a déjà fini le... la cassette, là? Ah ouais, ah, c'était rapide là. Bah très bien, ça fait avancer un peu. Merde, mi-cassette. On va sortir de là, ça va peut-être réinitialiser. Ouais, c'est bien ça. Moi, je comprends toutes les canettes aussi, c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais... non, alors je sors la cassette. On va faire l'avant-dernière. Donc, grid. Hop, sors de là. Conduit. Oh putain, c'est où ça? Faut que je trouve un endroit où il y a des conduits. Ah, toujours encore ces trucs bizarres là. Ah. On va trouver un piaf. Je sais pas si c'est à boucler là, je crois que oui. Hein. On dirait la salle de bain ça quand même, enfin j'ai l'impression. Hein. Il y a des petits meubles. Ok. Je vais tester la salle de bain direct, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des petites étagères de ce style là? J'ai vu ça quoi, mais... Putain, ça peut être où la buanderie alors? Ça ressemblait à un truc comme ça en tout cas. Oula. J'ai toujours pas. Ah, je sais pas trop. Je vais me balader, puis je vous mets l'endroit quand je le trouve. J'ai le droit de faire toutes les salles là. À la recherche de cette grille de ventilation, mais je trouve pas. Ah, c'est peut-être là-dedans, là. Ouais, attends, je commence à mettre ça aussi. Oh non, c'est trop bordélique pour que ça soit là, quoi. Non, mais c'est dans aucune, enfin, pièce d'eau, quoi. Pourtant, je pense que c'est là, mais. Ah, c'est peut-être là. En train de chercher dans toutes les pièces. Non, c'est pas ici. Il n'y a pas une grille en l'air là. J'ai à peu près tout fait. Ouais. Mon briquet, il est tombé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est peut-être là la remarque. Je vois rien. Ouais, j'ai quasiment fait toutes les salles. Ouais. Peut-être ici là encore. Je croyais qu'il a encore changé de. Pourquoi j'ai deux briquets là? Ah bah, voilà, ok. C'est ici. Je sais... Ah d'accord, je peux monter sur l'escabeau. Putain, c'était chiant quand même. J'ai cherché bah, toutes les salles de... salles de bain, tout ça. Bah. Ah, c'est pété la gueule. Ah ouais, d'accord, le truc très solide. Hein.
Peut-être un autre escabeau quelque part. Ah bah ouais, oui. Ça, rappelez-vous, on a eu ça dès le début. Je m'en suis jamais servi, ça va peut-être me servir. Bah c'est là. Peut-être me servir, là. Ce fameux tabouret, là, qui se mettait tout le temps dans la salle de progression. De stockage. Voilà son utilité, c'était ici, quoi. Hop, alors. Est-ce que cette fois, c'est ok? Encore une fois, il rampe dans les conduits. Putain, mais je sais pas comment il passe, là, quand ça tourne comme ça, là. Laisse tomber, quoi. Non, mais vous imaginez si vous êtes coincé, là, qu'il faut faire demi-tour comme moi. Enfin, je sais pas. C'est condamné, quoi. Ah, tu peux pas te retourner, quoi. Donc là, on va arriver à un autre endroit de la maison. Ah, dans un grand bureau. Merde, j'ai plus de... Ok, alors attends. Voilà. On voit quelque chose, y a pas un interrupteur quand même là? Petite lumière. Ah, le piaf. Signer le contrat. C'est quoi si j'accepte? Don't give a fuck. Un peu vénère le message, hein. Mais bon, on accepte. Je peux pas aller vers le bureau là. Non, je peux pas, il y a un mur invisible partout. Ah, ça s'est ouvert là. Il y a du monde. Ah, ça va être la technique, faut se baisser là. Il a pas de bras lui. Ah, si. Putain, ça recommence avec ce délire là. C'est de trouver l'ouverture. Je me lève pas, sinon je me fais choper, hein, je pense. Là, je passerai là. Quel enfer. Un peu angoissant ça. Ouais, laissez-moi passer. Ah, c'est bon. Ah bah c'est le dernier morceau de masque sur une colombe. Alors là, je sais pas non plus. J'essaie de réfléchir. Le rapport avec les piafs, quoi. Après, peut-être que tout va être expliqué une fois qu'on aura le masque complet. Ils vont me faire revenir dans la maison. Ok, de retour là, avec la salle de progression à droite. Ah non. Ah, c'est la fameuse salle... Bah c'était comme au début, ouais. C'était ici qu'on a... Enfin, je crois que c'était ici qu'on a été apparu. Remarque, non, c'était à côté de la salle de progression. Oh, je sais plus. On est déjà apparu dans cette salle, en tout cas. Bon. Donc on a fini ça. Enfin non, j'ai pas fini le masque. Il me reste la cassette à trouver. Bon, là, je vais faire une petite coupure. Je pense que je vais aller voir sur le net parce que j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Ok. Alors, apparemment, c'est bien parce que ça tombe bien parce que j'y suis, en fait. Ici, dans un tiroir, bah ouais, voilà. Il y avait donc la dernière cassette, Addiction. Ouais, bah, bizarrement, j'avais pas fait ce tiroir. Ah ouais, donc j'ai bien le succès, comme quoi j'ai tout récupéré. Étonnant, mais bon. Voilà, du coup, on va retourner dans le salon, petite accélération. Et donc on reprend celui-là. Bon, je l'avais rangé histoire de faire propre.
Allez, addiction, dernière cassette. Ça allait vite, hein, les deux dernières cassettes. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. Alors, attendez, vite. Hop, voilà. Ça, c'est la chambre à coucher. Il y a un truc de la chambre à coucher en haut. Chambre des parents. Sorte de trou avec une échelle qui descend. Enfin, pour descendre plutôt, pas qui descend. Oula, il y avait un effet bizarre là. Et c'est un code ça là, qui apparaît? J'arrive pas à lire 9, lire 2 traits, 4, 8, 3, 4, 8, je sais pas. Comme un code qui s'affiche en bas à droite. Mais ça paraît tout le temps, c'est peut-être la date de la vidéo. Souvent ça met ça dans le coin. Moi j'en sais rien. On va aller direct dans la chambre des parents au-dessus. C'est encore de... Ah bah d'accord, il n'y a plus de lit. Mais d'accord, bon bah au moins... C'est pas subtil là. Ça se voit bien quoi. Hop. Et donc... On est dans une autre chambre. Bien, bien, bien. Ah d'accord, je suis coincé apparemment là. Je peux pas aller plus loin. Attends... Ah ouais, non, mais j'ai un gros mur invisible à gauche, hein, je peux pas y aller, quoi. Bon. Ah, attends. Ah d'accord, c'est qu'il y a plus rien qui marche. Putain, il y avait des canettes au lit, quoi. Ah. Ah ouais, d'accord. Il y a que des cadavres partout, quoi. Ah, ça s'allume. Ah bah voilà, ça on l'a vu dans la vidéo. Why hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? What a look you have. Are you tired somehow? I get ya. It's hard to rest in this place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course. There's no mystery here. But I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne, 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 listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Dwayne, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name, I'm asking about who you are. Now, now, Dwayne, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip to our friendship? On se perd pas confiance, lui. Hein. Cheers. If you want me to help you, I've got to know something. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging, then?
What's up with you? Oh, you've been seeing things, you say? Things, Things like that. Don't you worry, my friend. Just take a sip, and everything's gonna be back to normal. Go ahead. Drink a little of this poison. It'll do you real good. I would advise you to take that drink now, my friend. Cheers. Ça se trouve, on est un vrai psychopathe, quoi. On a tué tellement de monde. Je sais pas. Ça, c'est toutes nos victimes, quoi. See, ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah, you remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief and the dulling of your senses. Come on, take another sip. You know you want it. And another sip. Bon, attends, on va pas faire ça tout le temps, là. Puis le verre interminable, également. À chaque fois, il boit une larme. Quoi. Now, Dwayne, will you fucking tell me who you are? Bon, peut-être une dernière fois. Et pas de bruit. Ah. Ok, voilà, le dernier morceau, alors. Enfin, c'est pas clair, hein. J'espère que le masque va vraiment élucider tout ça, quoi. Maître du masque réfléchissant. Très bien. Donc là, on a vraiment tout. Hop. On va pouvoir terminer le jeu. Je suppose. Oula. Ah, d'accord. Je passe à travers. Donc là, j'ai juste allé à la salle de progression. Aller récupérer le masque. Enfin, je pense. Je pense qu'on va le récupérer. Et aller en bas, là où j'avais pété le placo. Là. Puis là, on aura la vraie fin, quoi. Alors peut-être qu'avant de faire ça, parce qu'il y a un truc que j'aimerais faire, mais pour ça j'ai utilisé, j'ai regardé la solution, c'est le coffre-fort dans le bureau. Comment l'ouvrir? Je sais pas si on revient, je sais pas si on revient dans la partie une fois qu'on a fait la vraie fin. Quoi. C'est ça qui m'inquiète un peu. Donc, limite le coffre, je peux peut-être le faire avant quoi. C'est Halloween. Ah, c'est dommage, j'ai pas la vision Halloween avec juste les yeux. Ça aurait été pas mal, ça. Par contre, on a une autre vue, là, ou... Ah, merde. Ah ouais, non, là, on est... Ça a complètement changé, là. Ah, merde, c'est peut-être trop tard, là, pour le coffre. Non, je fais pas que la folle m'appelle. Bah ouais, attends, c'est pas du tout la même chose. Là, il y avait garage. Ça, c'est toujours fermé. Non, le garage, il est là. Attends, c'est joli, là, avec... Il fait du soleil, c'est vrai que là, il fait jour, là. On a quitté la nuit. Attends, c'est pas mal là, j'hésite un peu. Ah merde, c'est fermé là. Bon, très bien. On va descendre. Ouais, là, on force un peu à aller seulement à un endroit. Bah, ça va être là. Hein. Il va y avoir quand même là-bas. Ouais.
c'est pareil, là, je peux pas passer. Ok, bon. On va aller voir cette fin. Bah non, ça explique rien. C'était quoi? C'était le paradis là? On voyait notre famille morte? Enfin, je sais pas. Ah bah j'ai... Ouais. Je peux poser des questions sur pas mal de trucs. Bah, tant pis, j'irai voir les forums pour ça. Je pourrais pas vous l'expliquer. Je m'attendais à mieux pour une la vraie fin, quoi. En fait, non, c'est juste un nuage, quoi. Enfin, là, c'est pas mal, là, le fond, là. Bon, bah en tout cas, parler du jeu là, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé tous les chapitres. Ils sont assez différents les uns des autres. Enfin, ça se ressemble quand même assez au niveau des mécanismes. Mais quand même, le premier, la Lucie, bon bah c'était assez classique, j'ai envie de dire, avec un peu de recherche, tout ça. Le deuxième, c'était très, très énigme, où on avait plusieurs possibilités de lieux. C'est là où je me suis paumé le plus. Le troisième, c'est très couloir, mais bonne ambiance. Je vais peut-être baisser le son de la musique hein, quand je vais parler par-dessus, là. Et puis bon, ça se trouve, il y a des problèmes de droit, j'en sais rien, mais je baisserai la musique du générique. Et ce dernier chapitre sur Dwayne, j'ai bien aimé le principe de trouver... de résoudre chaque cassette vidéo. Après, j'ai pas tout pigé au niveau de l'histoire. Il y a des choses, oui, qui était alcoolique, qui se droguait, qui s'en foutait de sa famille, qui délaissait complètement sa famille. Mais après, je sais pas, est-ce qu'il a tué des gens? Parce que c'était bizarre, là, le dernier truc qu'on a vu, là. Est-ce que c'était un tueur? Est-ce qu'il a fait une bavure? Enfin, il a tué beaucoup de gens sans le vouloir. Je sais pas, un accident... J'en sais rien, il était peut-être flic et puis il s'est foiré sur une opération, j'en sais rien. Mais voilà, une question que je me pose en tout cas autour de Dwayne. Je vais voir ça. Alors par contre là, bon, je vais laisser passer le générique. Mais j'aimerais voir quand même ce coffre, parce que ça se trouve, le coffre, des choses importantes à savoir, quoi. Donc, j'espère quand même qu'ils vont pas me pourrir la sauvegarde et obligé de faire New Game Plus, sinon je suis mal, hein. Alors c'est quoi ça, toute cette liste, ça, c'est les backers là, c'est tous ceux qui ont participé, je sais plus où ça a été kickstarté du coup. Mais franchement non, ça, ils ont quand même fait un bon jeu quoi. Merci de jouer à Visage. Aïe aïe aïe, alors attends, si je fais continuer, j'ai un peu peur. Parce que là si j'atterris sur la scène où il fait jour, bon, c'est un peu mort quoi. On va voir ça. Ouais, c'est vrai que le chargement est un peu long, quoi. Non, c'est bon, là, il fait nuit, là. Ok, alors, petite pause, je vais voir vite fait l'histoire du coffre. Ok, je viens de voir. Apparemment, c'est dans la salle de bain. La clé se trouve... Voilà. Merde, putain, okay. L'aveugle man, je cherchais dans le levier, mais en fait c'était juste devant. Donc il y a la clé qui est là. Putain, qui en plus qui a pas. Enfin, c'est très bizarre, on dirait. On aurait dit un item de Doom là qui apparaît ici. C'était très chelou. Et ça permet d'ouvrir donc le coffre. Se trouvant là. Donc ça, on l'a apparemment quand on a fait tous les chapitres. Ah, s'il y a un petit bout de papier là. Bah. Voilà. Qui dit. J'arrive pas à lire. Attends, je vais me mettre là.
Chambre 302. Ok. Donc ça dit ça. Et apparemment, c'est une pièce qu'on ouvre tout en bas, dans la cave. Donc on va y aller. Je pense que c'est la porte qu'on n'arrive jamais à ouvrir. Ah non, ou alors c'est peut-être celle dans le miroir. Je sais pas, on va déjà tenter. Merde, c'était pas là, c'était par ici plutôt. À chaque fois je me paume. Si, c'est là, oui. Bah, je pense que c'est cette pièce-là. Ah bah 302, c'est marqué. Oh, non, mais c'est pas une clé. Vas-y. Je peux pas bouger. D'accord. Donc on a vu Lucie qui tapait un trip là. Pas mal. Excellent. Alors, par contre, j'ai lu également un truc sur la mauvaise fin du jeu. Je pensais que c'était juste on se tire une balle et puis on réapparaît dans la salle et voilà, c'était tout. En fait, apparemment, il faut faire ça en boucle. Plein de fois, jusqu'à ce qu'en fait le revolver ait plus de balles. Et là, on atterrit sur la mauvaise fin. Alors, est-ce que c'est trop tard? Je sais pas. Il faudrait que je retourne déjà à l'endroit où... Ça va être par là, non? Non, c'est pas ici à chaque fois... Chaque fois je me paume, non, c'est pas là. J'y étais tout à l'heure. Comme quoi, hein, je connais pas encore la baraque par cœur. Voilà, c'est ici. Donc là, on va voir si on se tire une balle ou si c'est la vraie fin. Si c'est la vraie fin, bah, je pourrais pas vous la montrer. Sinon, je vais le faire autant de fois qu'il faudra. Jusqu'à ce qu'on voit la mauvaise fin. Mais pour ça, je vous fais une coupure, évidemment. Ok, ça va être la mauvaise fin. Enfin, on va se tirer une balle. Je pense qu'on va encore boucler. J'imagine qu'il faut le faire 6 fois, c'est un 6 coups ça. Ah oui, vous voyez, il manque une balle. Oh putain, il va falloir que je le fasse 50 000 fois quoi. Ok, très bien. Bon, je vais faire ça. Je fais une coupure là et on se retrouve pour la dernière balle. Enfin, quand il n'y en a plus. Ah, c'est marrant, il y a des petites griffures par terre qui représentent le nombre de balles que j'ai tirées. Ah, dommage, on voit plus. Mais ouais, c'était le nombre de balles que j'ai tiré en fait. Là c'est bon, j'en ai tiré 6. Et... ça clignote ça. Ah mais il y avait la tâche avant là, elle y est plus. Attends mais... S'il y a toujours la grosse tâche en haut. Il y avait une tâche là avant. Bon, bizarre. Les choses qui changent à chaque fois. Mais là bon, on va essayer, donc le pistolet est vide. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que là, on va voir la réponse à nos questions. Même si, bon, j'y crois moyen maintenant. Allez, c'est parti. Bah écoute, on va quand même pointer ça sur notre tête, mais... Il va rien se passer, quoi. Quand même tiré bizarrement. Bon, on a autre chose. Ah, on est dans le fameux puits là où on avait fait tomber une pomme. Je sais plus si on l'avait fait tomber. Apparemment oui. La fin Sadako. Parce que bon, il n'y a pas trop d'eau hein. Ah mais je joue encore. Elle a disparu. Non, elle est là.
Je peux pas la prendre. Écoute, je sais pas, je vais dans une direction. Ah oui, d'accord, non mais en fait... J'avance mais ça défile pas en haut. Très bizarre ça. C'est bizarre comme effet. Il pleut qu'à gauche là. Il pleut tout le temps qu'à gauche en fait. Bon bah écoute, je sais pas faire quoi là. Ah d'accord, bah c'est la fin, le vide. Bon, RSI à jamais quoi. Marrante comme fin. Bon, ça explique rien une nouvelle fois. Ouais, là on peut marcher à l'infini, je pense qu'on trouvera rien. Et on a juste une pomme quelque part. Bon, maintenant je l'ai paumée quoi. Ouais, bon, en tout cas, bien sympa hein, ce petit studio indépendant là a fait un bon jeu. Je sais pas si vont en faire d'autres, des jeux d'horreur de ce style, mais en tout cas, d'habitude, c'est pas le genre de jeu qui me plaît forcément. Enfin, je trouve ça rigolo, mais sans plus. Mais celui-là, je sais pas, j'ai vraiment bien aimé l'explorer, quoi. Ah, ça y est, j'ai atteint le bout, là. Là, il y a un mur invisible. Putain, il y a tout, plein de messages, là, je vois. Après c'est vrai que bon ouais, j'ai pas eu peur hein, vraiment. Parce que bon je sais que c'est un jeu et puis bon faut y jouer en VR vraiment pour commencer à avoir peur je pense. Même si j'avais le casque assez fort hein, pour les jumpscares tout ça, mais il y en a pas tant que ça des jumpscares. Et ça c'est bien parce que bon c'est vrai que les jumpscares où ça gueule vachement fort dans les oreilles, c'est plus désagréable qu'autre chose. Là, je trouve que c'était quand même assez bien amené. Bon, il y a eu quelques passages de merde, hein, notamment c'était lequel là. Il y a un truc au fond là. C'était le truc avec les murs là. Ça, j'ai pas trop pigé. Il y a eu d'autres trucs aussi, mais parce que j'étais pas pressé de finir, mais presque. Sur la partie Dolores, avec les 50 milliards d'escaliers là. Là, j'étais pressé de finir parce que bon, bah, enfin. Dans l'histoire, il était tard et je bossais le lendemain et j'avais pas besoin de ça pour finir la nuit, quoi. Donc, mais sinon, voilà, à part ça, si on prend bien le temps de le faire, c'est nickel, quoi. Bon, bah, je sais pas, là, je vois, il y a des textures, là, quand même, au fond. C'est marrant qu'ils mettent merci de jouer à visage, c'est merci d'avoir joué, enfin bon, après. C'est pas trop grave s'il y a quelques fautes de français, c'est déjà très bien que ça soit traduit en français, quoi. Bon, bah je pense que ça s'arrête là, quoi. Là, je crois qu'on peut revenir au menu principal, hein. Ça va boucler à l'infini. Hein. Très bien. Bon, bah on a quasiment tout vu. Qu'est-ce que c'est Panthéon? Si je vais dessus, c'est quoi le Panthéon? Allez. Dernier truc qu'on va regarder. Ça doit être ceux qui ont bossé dessus, quoi. Ah merde, pardon, mais on l'avait peut-être déjà vu ça. Je me demande si on l'avait pas déjà vu en live. Ou... Tiens, il y a déjà un objet ici. Ah bah non, c'est un tuto. Tuto du début, ça. C'est peut-être des gars qui ont participé là au. Personnes qui ont participé au développement du jeu, il y a une liste, ou au financement. Apparemment, il y a quelqu'un là, mais on voit pas. Il manque toujours des pages. Hop, on voit une. C'est quoi qui est marqué? Le bouquin de l'appréciation. Ouais, un livre d'or, quoi. Ouais, rigolo. Bon allez, je vais pas traîner plus que ça, puisque bon, ça fait déjà un moment que j'enregistre.
voir ce qui se passe. Si je vais par là, ah bah là il y a une autre feuille. Hop. C'est peut-être la dernière feuille. Non, il y en a une là. Hop. Bah, enfin, pff, ouais, le truc c'est qu'il faut fouiller un peu. Je sais pas ce qui se passe si on remplit. Si on fait tout. Parce qu'il y a des feuilles dans l'eau. Ah, il y a un cadavre. Plusieurs. Vas-y, je vais mettre les deux là. Ouais, il manque toujours des pages. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose quoi. C'est juste après on peut l'ouvrir et voir les différents noms. Non, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu tout ce let's play. Ce fut assez long, c'est sûr. Bon, au moins, j'aurais fait un jeu entier pour Halloween. Et puis, bah, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut!